se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Animal Crossing New Leaf sur Animalia, ma toute première cartouche. Pourquoi je suis sur cet écran? Vous l'auriez deviné si vous aviez regardé la vidéo précédente où je crois le titre c'était Les Petites Nouvelles. Donc nous allons créer le tout dernier habitant, donc résident créé, enfin voilà, d'Animalia. Parce que j'avais expliqué que je n'avais plus du tout de place dans mes placards, etc. Du coup, j'ai voulu créer le dernier. Et on va le faire tout de suite. Donc on va se retrouver évidemment dans le petit train. Punaise, ça fait du mal, hein. Waouh. Je peux te poser une question? Oula, j'ai peut-être un peu trop monté. Je t'en prie, assieds-toi. Comment tu t'appelles? Alors, j'ai eu plusieurs propositions, tout comme je l'avais fait pour Kira. Donc là, en fait, il y a un prénom. Donc, je vais pas dire que les autres ne m'ont pas plu, mais il y a un prénom qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment plu. Donc, je vais vraiment vous l'écrire parce que c'était une super idée. Alors, voilà. Coréen. Vous l'auriez compris, c'est une référence à la Corée. Donc, la tête que je vais choisir. Voyons voir. Bon, on va dire déjà qu'on est une fille. Allez, nous sommes une fille. Alors, la tête. J'ai à côté les astuces. Donc j'ai envie de faire la tête comme Mocha, mais je ne sais pas du tout. Je vais faire, ouais, je pense. On va voir. Ou peut-être non. On va dire que c'est la première fois. Je vais faire une tête différente. Pourquoi tu te rends là-bas? Donc la réponse, c'est faire un tour. Alors, la réponse, tout juste Auguste. Tu vas faire plein de nouveaux amis, c'est certain. Je te souhaite tout plein de bonnes choses. Et nous arrivons. Je me crois la SNCF. Je vous ai laissé un petit peu lire la parlotte en évitant de moi-même de parler. Mais je pense que vous connaissez tous son petit discours. Donc voilà le joli petit train qui n'a pas de locomotive. Il n'y a qu'un wagon, c'est normal. J'ai pas compris le truc. Oh, je suis trop belle. Mon dieu, je suis cute. Je suis coréen, on m'a changé de te dire que... D'accord. Merci, mais je sais où est la mairie. Allez, bienvenue à la petite Coréa. Ah là là. Je sens qu'elle va faire du grabuge, celle-là. Évidemment, il n'y a personne pour m'accueillir. C'est quoi cet accueil de merde? Bon. Oh, la nouvelle ville, elle est trop belle. Nous ne la connaissons pas du tout. Alors, voyons voir la mairie. Nous allons y rentrer. Hello. Oh, vous êtes Madame Coréa, n'est-ce pas? Je vous souhaite la bienvenue. On connaît les discours, c'est bon. Alors, non, d'accord, faut choisir l'emplacement de notre maison. Nous connaissons, merci bien, je passe la papote. Blablabla. On va aller chez Tom Nook. Oh la magie! Je sors de la mairie et je me retrouve chez Tom Nook! C'est la magie du montage.
Oh là là, mais tout le monde m'appelle Coréa. Mais c'est beau, je sais que je m'appelle Coréa, merci. J'ai attrapé la bonne porte. J'ai choisi l'emplacement de ma maison. Allez. On va se faire courser par Monsieur Nook. Donc, récapitulons. Je me rappelle, il y a une personne qui m'a conseillé de mettre la maison par là. Alors, je crois que c'était dans cette forêt là. Mais, pour ne pas trop vous spoiler, je pense ici, quand j'aurai débloqué des projets assez intéressants, faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, peut-être un parc, peut-être un truc comme ça. Mais au moins, je ferai quelque chose. Également, Calypso s'en va. Donc oui, on ne la voit pas là parce qu'elle est chez elle avec ses cartons. Mais elle s'en va demain, du coup, bah, à la prochaine mise à jour, vous ne l'aurez plus. Donc je crois qu'elle m'a fait un sale coup. Hein. Elle est restée une journée Animalia, je crois. C'est pour vous dire. Donc bon, on verra hein, qui sera le nouvel habitant, c'est pas grave. On verra. Donc moi, ma maison, je la mets à côté de mon perso principal. Donc attendez, ici j'ai pensé faire des travaux, donc faire un chemin qui passerait comme ça, et comme ça, donc la maison logiquement serait par là, un truc comme ça. Là on va faire la maison par là, hein. Si je peux, si je peux, possible ici? Ah, il est trop proche de la rivière! Non! Si je descends un petit peu. Ah, on va voir ce que ça donne. Allez, 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 montre-moi ce que ça donne. Donc, la maison. Je sais pas si j'aurai de la place pour les arbres à côté. Logiquement, oui. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, c'est compliqué, là. Pour le coup, je réfléchis. Donc, c'était à côté de la fleur rouge. Donc, la fleur rouge qui est ici. Ouais, j'aurais de la place pour mettre un arbre ici. Je vais peut-être descendre juste un poil encore. Pour pouvoir en mettre derrière. Si je la mets ici... Oh, tu viens, toi ? Allez, allez, montre-moi, montre-moi. Allez. Donc. Ça pourrait le faire. Ma foi. Je vais peut-être encore le décaler d'un côté. Oh, je suis une pénible, hein, je sais. Bah, comme ça, c'est très bien. Je vais encore la décaler. Par contre, je vais ramasser ma tulipe orange. J'ai pas envie de me la faire bousiller. Ah ouais, mais il y a le bambou, là. Putain, c'est pas vrai. Comment faire? Ah, je vais me mettre par là. On va y arriver, les gens. On va y arriver, vous inquiétez pas. Donc, ça m'a l'air bien, ici. Ma foi. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, j'aurai de la place derrière. Oh, je sais pas. Je sais... Eh, c'est trop compliqué, franchement, c'est trop compliqué. Trop, trop compliqué. J'aurai de la place pour les arbres, en effet. Bah, je vais rester sur ce choix-là, alors. Je vais rester ici. Bon, eh, faut savoir, je me suis mise à la même place. Au pire, je vais pas le faire là parce que je m'en sers pour mes motifs. Je vais voir s'il y a un autre emplacement un petit peu mieux. Bah, au pire, je le fais par là. Hein. C'est pas grave. Je fais ma maison ici. Ça me fera un petit voisin. Alors. Montre-moi ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Mais il n'y a plus de place pour les arbres. Ça sera vide. Non, c'est moche. Je suis compliquée en matière de maison. C'est peut-être pour ça que ma ville est plutôt organisée. Bon.
Réfléchissons ensemble. Où est-ce que je pourrais l'installer? Que les deux, elles sont super bien mises. Bon. J'avais une autre suggestion, mais je voulais pas vraiment la faire. Je crois que c'est ma seule solution en fin de compte. On va y aller. Les petits raccourcis. Voilà, on va la mettre par ici. Voilà, on va la mettre par là, je pense. Hein. Ça serait pas mal. Ouais. Je cacherai avec des arbres. Parce que ici, franchement, quoique, ouais. Je pourrais mettre ça là. Hein. Pas bête. Allez, montre-moi ce que ça donne. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, paniquez mes arbres. Oh non! Un peu plus bas! Oh. Je crois que cette vidéo va être juste le temps qu'on choisisse l'emplacement de la maison. Et par là. Est-ce que ça donnerait quelque chose de bien? Trop proche d'une autre construction? Mais non, c'est pas vrai! Merci, ça me fait perdre du temps. Tom qui stresse, mon dieu! Énorme, merci pour l'accueil. Ah là là, merci, merci. Ah, je vais mettre... Mais tu viens ou quoi, tu me suis? Est-ce que ici ça le ferait? Ouais, je pense. Ouais. Juste que ça n'est pas les arbres de derrière. Comme ça, ça me cache les rails. Ça serait bien. Ah, bah parfait. Je crois qu'on a trouvé notre place. Ça m'a l'air pas mal, je ferai les chemins, je referai tout. Ouais, allez. Voilà. Coréa est installée. Voilà, bon, on s'en fout du calcul. Donc, je pense détruire du coup mon espace bordel, vu que bah, je ne m'en sers plus vraiment. Je vais laisser ça pour d'autres constructions pour finir la ville et je ferai mon bordel sur la plage désormais. Donc voilà. Nous avons notre petite tente. Désolée si le son du jeu est légèrement fort, mais... Voilà. Donc écoutez. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a un bon emplacement là. Puis ça fera un peu moins vide au niveau de... Pas de là-haut, hein. Franchement, c'est super bien installé, je trouve. Pas mal, pas mal, pas mal. Ici, on pourra refaire une route, du coup, pour aller là. Ici, on fera des arbres, on jardinera dans le prochain épisode. C'est pas mal. Est-ce que je dois retourner à la mairie? Alors, toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Quelle est votre date de naissance? Ma date de naissance? Bon allez, je vais faire ça pour... Soyons fous. Le 23 décembre, juste avant la veillée de Noël. Comme ça, on fêtera son anniversaire tous ensemble. Voilà! Je vous laisse lire, hein, parce que j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, je vous laisse lire, c'est un bien gros mot vu que je passe en accéléré. Mais parfait! À partir d'aujourd'hui, tu résides officiellement à Animalia! Tu peux maintenant sauvegarder et quitter la partie à tout moment. Nanana, merci. Et voilà. Nous avons une nouvelle résidente. Animalia. La petite Coréa. Donc merci à la personne dont le nom s'affiche actuellement pour m'avoir... soufflé le nom. Parce que... Voilà. Franchement, j'avais pas eu l'idée. Et c'est parfait. Le cadrage de cette vidéo est assez réussi vu que j'ai pas trop bougé.
voilà, je trouve. C'est franchement, je suis fière de moi. Voilà, voilà, la vidéo, je pense qu'on va l'arrêter là parce que j'ai plus vraiment de batterie sur mon appareil. Et puis, au bout de 15 minutes, je pense qu'on a fait le tour. Je vais finir du coup des petites corvées, toute la photo, les trucs comme ça que vous aviez fait à votre début de partie. Vous connaissez le principe. Et du coup, dans la prochaine vidéo, Coréa aura un petit peu changé d'apparence. La maison aura un petit peu évolué. Enfin, je pense, voilà, j'aurai amélioré certaines choses. Je vous remercie encore pour cette idée de prénom, d'emplacement de maison. Je vous aime très très fort et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. À plus !